Alléluia. Bien-aimés, nous allons commencer notre prière. Notre prière de ce midi est une prière spéciale, car nous voulons briser la stérilité et rentrer dans la fécondité. Pour toutes celles, pour tout, nous tous, je pense que toutes les personnes qui sont là ont ce problème. Nous voulons avoir des enfants, hein, du moins vous voulez avoir des enfants. Et j'ai nommé cette prière, je veux mon bébé. Bien-aimé, si nous avons la foi, nous allons voir en manifestation ce qui n'existe pas. Alléluia. La puissance de Dieu est capable de ramener ce qui n'existe pas à l'existence. Quel que soit ce qu'on vous a dit à l'hôpital, quel que soit ce que le médecin t'a dit, des fois même on t'a dit que tu n'as pas de problème, mais l'enfant ne vient pas. Bien-aimé, ce midi, nous voulons prier, nous voulons prier, nous voulons prier, supplier Dieu afin que ce qui n'existe pas, ce qui paraît impossible pour nous, puisse devenir possible, qu'il y ait une matérialisation, alléluia, qu'il y ait une matérialisation dans le nom de Jésus. Nous allons lire dans Genèse 25, à partir du verset 21. La Bible dit, « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. » Alléluia. « Et l'Éternel l'exauça. » Je répète encore. « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. » Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Alléluia. Bien-aimé, ce midi, je crois en la puissance de la résurrection, en la puissance du miracle, en cette puissance qui ramène à l'existence ce qui n'est pas, en cette puissance qui ramène la fécondité là où les hommes ont dit qu'il y a stérilité. Ici, Rebecca était stérile. Alléluia. Elle était stérile et Isaac a imploré l'Éternel. Isaac a imploré l'Éternel. Quand il a prié pour sa femme, la Bible dit que l'Éternel l'exauça. Et ce midi, j'ai la foi, je crois que l'Éternel va nous exaucer. Alléluia. Il va nous exaucer. Parce que nous avons la foi et nous croyons que sa parole est vraie. Que sa parole est une vérité véritable. Alors il est derrière sa parole pour l'accomplir. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. En d'autres termes, venez à moi vous qui êtes stériles et je vous donnerai la fécondité. Venez à moi vous qui cherchez des enfants et je vous donnerai des enfants. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Isaac a imploré. Isaac a imploré. Bien-aimé, là où le docteur a dit qu'on ne peut plus rien faire pour toi, là où les gens sont en train de te mortifier, là où ta famille, ta belle famille est en train de se moquer de toi, là où ta belle famille est en train de mortifier ta vie, est en train de mortifier votre couple, est en train de dire que tu ne sers à rien. Bien-aimé, j'aimerais te dire que nous allons prier l'Éternel, nous allons implorer l'Éternel. Et il va exaucer. Dans le même verset, dans la version Bible Martin, il est écrit « Et Isaac pria instamment l'Éternel au sujet de sa femme, parce qu'elle était stérile, et l'Éternel fut fléchi par ses prières, et Rebecca, sa femme, conçut. » Alléluia. Et l'Éternel fut fléchi par ses prières. Quand on prie, on fait fléchir le cœur de Dieu. Quand on prie, on fait fléchir le cœur de Dieu. Et il donne, il exauce. Alléluia. Dans la version Darby, je lis pour vous, il est écrit « Et Isaac pria instamment l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel se rendit à ses prières. » Alléluia. L'Éternel est venu à ses prières. Et l'Éternel se rendit à ses prières. Et Rebecca, sa femme, conçut. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 145 au verset 19 « Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris. » Et il les sauve. Il a ses dieux. Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve.
Je déclare que l'Éternel va nous sauver encore ce midi. Je déclare que l'Éternel va te sauver ce midi au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel va créer un miracle dans ta vie ce midi au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel, lui qui est Yahvé Tikenu, le Dieu de justice, va faire justice dans ta condition ce midi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons commencer notre prière. Bien-aimés, nous allons glorifier le Seigneur. La Bible dit, célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Célébrez l'Éternel car il est bon. J'aimerais te dire, ma sœur, que l'Éternel est bon. Même si pour l'instant, tu n'es pas encore tombée enceinte, j'aimerais te dire que l'Éternel est bon. Et la Bible dit que nous devons le célébrer parce qu'il est bon. Alléluia. La Bible dit aussi que nous devons le glorifier. Glorifiez-le, vous tous les peuples, parce qu'il est bon. Alléluia. Il dit, car sa bienveillance pour nous est efficace. La bonté de Dieu pour nous est efficace. Même si tu n'as pas encore conçu. Si tu avais déjà conçu et que ça s'est bloqué, tu n'arrives plus à avoir des enfants depuis que tu as eu tes autres enfants. Il est bon. L'Éternel est bon. Quelle que soit ta condition, il est bon. C'est pour cela que nous allons louer le Seigneur, le bénir, le célébrer, l'adorer pour son amour. Prions le Seigneur. Alléluia. Car il est bon. Alléluia. Ô tendre Père, nous te bénissons. Merci car tu es bon. Nous te magnifions, Seigneur. Nous t'exaltons parce que tu es le Dieu puissant. Oui, nous voulons te célébrer encore en ce moment, car ta bienveillance dure à toujours. Nous voulons encore te magnifier en ce moment, car ta bienveillance dure à toujours. Oui, nous te bénissons. Alléluia. Nous te bénissons, nous ton peuple. Nous te louons, nous tes enfants. Nous te chantons, nous te célébrons. Sois béni, sois loué, sois magnifié, sois adoré, sois loué, Seigneur. À toi la gloire. À toi la louange, à toi la magnificence. Qui est comme toi, tendre Père? Qui est comme toi, notre Dieu? Nous voulons reconnaître ta grandeur dans nos vies. Nous voulons reconnaître ta gloire dans nos vies. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu, que tu es l'Éternel. Alléluia. Tu es l'Éternel qui garde tes justes. Tu es l'Éternel qui garde les simples. Alléluia. Quand nous sommes affaiblis, tu viens nous sauver. C'est pour cela que nous te bénissons. Nous te magnifions parce que tu es bon. L'Éternel, 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 c'est toi qui te souviens de nous et qui nous bénis. L'Éternel, c'est toi qui nous fais du bien. Sois béni, sois loué, sois magnifié notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma sœur, j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Mon frère, j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Vous savez, des fois, quand on n'arrive pas à concevoir, quand on n'arrive pas à tomber enceinte, on croit que Dieu nous a oubliés. Et quand on pense comme ça, on pêche. Dieu nous aime. C'est pour cela que tu vas déclarer maintenant, tu vas faire une prière où tu vas remercier notre Dieu pour lui dire que, pour lui dire merci car tu m'aimes. Je vais vous donner un exemple. Tu vas dire, Père, merci car tu m'aimes. Merci car tu m'aimes. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il t'aime. Et tu vas lui soumettre ton corps. Tu vas dire, Père, merci car tu m'aimes. Je viens te soumettre. Je viens te soumettre mon corps. Je viens te soumettre cette stérilité de ma vie que je n'arrive pas à changer par ma force. Je viens te soumettre ce problème qui est dans ma vie que je n'arrive pas à changer par ma capacité. Je viens te soumettre ce problème de stérilité, ce problème où je n'arrive pas à concevoir. Je n'arrive pas à le faire par ma force. Je viens te soumettre. Mais je sais que tu m'aimes. Tu vas dire, je sais que tu m'aimes. En même temps, quand tu vas prier comme ça, tu vas rejeter toute la colère. Peut-être que des fois, tu disais, Dieu m'a oublié. À chaque fois que tu as eu la colère, tu vas rejeter la colère. Tu vas rejeter l'amertume. Tu vas rejeter toute la condamnation. Des fois, mes amis, des fois, on se condamne. Il y a des femmes qui se condamnent, qui disent que peut-être que c'est moi. J'ai peut-être fait quelque chose. Peut-être que j'avais touché à quelque chose. C'est pour cela que je suis comme ça. Peut-être que tu vas rejeter toute autocondamnation. Tu vas rejeter toutes les angoisses, tu es angoissé parce que ta femme, la belle famille te presse, la belle famille a les yeux braqués sur votre maison, ils comptent les années, ils attendent et chaque année est une angoisse pour toi, chaque nouvelle année est une angoisse pour toi, tu vas rejeter cela parce que Dieu t'aime et tu vas accepter l'amour de Dieu, alléluia. Pendant cette prière, tu vas accepter l'amour de Dieu et tu vas recevoir cet amour. Tu vas prier pour dire, Seigneur, merci Père, car tu m'aimes. Reçois l'amour de Dieu. Prions ensemble, alléluia. Alléluia. S'il vous manque les mots, suivez comment je prie et ça va vous aider. Alléluia.
Ô tendre Père, merci car tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Quelle que soit la condition de mon corps, je sais que tu m'aimes. Je viens, Seigneur mon Dieu, te soumettre mon corps, te soumettre cette stérilité de ma vie que je n'arrive pas à changer par ma force. Je viens te soumettre, Seigneur, ce problème d'infertilité que je n'arrive pas à changer, Seigneur, par ma capacité. Je viens te soumettre, Seigneur, mon corps, que je n'arrive pas, Seigneur, à concevoir. Je viens te soumettre ce problème de conception. Oui, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. La Bible me dit que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, je fais partie de ce quiconque. Je fais partie de ces personnes à qui tu veux donner la vie. Je fais partie de ces personnes à qui tu as donné la vie. Je fais partie de ces personnes à qui, Seigneur, mon Dieu, tu ne veux pas, Père, qu'il puisse périr. C'est pour cela que je viens te soumettre mon corps. Je viens te soumettre ma stérilité. Je viens te soumettre mon infertilité. Je viens te soumettre mon problème. Oh Père, je viens te soumettre mon problème. Je viens te soumettre mon problème de stérilité. Je viens te soumettre mon problème de stérilité. Je rejette maintenant toute colère que j'ai pu avoir. Je rejette maintenant toute blâme de mon corps. Quand je commençais à blâmer mon corps, à dire pourquoi mon corps est comme ça, à dire pourquoi les autres tombent enceintes et pas moi, je viens rejeter cela au nom de Jésus. Je viens rejeter toute amertume que j'ai pu ressentir parce que je n'arrive pas à tomber enceinte depuis plusieurs années. Je rejette toute amertume au nom de Jésus. Je rejette toute amertume au nom de Jésus. Je rejette toute autocondamnation de mon corps, de moi-même, de ma vie, de ma famille, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je rejette toute angoisse dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je refuse maintenant toute esprit de colère, je refuse maintenant tout esprit d'amertume, je refuse maintenant tout esprit de jalousie, tout esprit de dépression, tout esprit de peur qui vient m'envahir pour me faire croire que je ne tomberai jamais enceinte. Je refuse maintenant tout esprit de doute qui vient m'envahir pour me faire croire que je ne tiendrai jamais un enfant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, j'accepte ton amour et ta bonté pour ma vie. Je reçois l'onction de la restauration de mon corps maintenant. Je reçois l'onction de la restauration de mon âme maintenant. Je reçois l'onction de la restauration de mon esprit maintenant. Je reçois l'onction de la restauration de mon utérus maintenant. Dans le nom de Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, la Bible déclare que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché. Alléluia. Je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, nous allons nous incliner encore devant Dieu. Demandez pardon. Tu vas demander pardon si peut-être dans ta vie tu as eu à faire des avortements. Tu vas demander pardon si peut-être dans ta vie tu as dit des paroles comme quoi moi je ne veux pas beaucoup d'enfants. Moi les enfants, ah non, moi je n'aime pas. Bien-aimés, des fois, le diable nous attrape par nos propres paroles. Sans pour autant faire exprès. Même quand tu étais enfant, tu étais petit, tu jouais, tu as oublié. Mais cette parole-là est en l'air quelque part, elle est suspendue. Elle t'attend. Elle attend seulement que tu puisses renoncer. Elle attend que tu demandes pardon. Cette parole est là et le diable l'utilise contre toi, bien-aimé. Quand je préparais cette prière, le Saint-Esprit m'a parlé de quelque chose. Je ne l'avais pas vu comme ça. Des fois, il m'a dit, des fois, la stérilité est venue parce que vous avez pris un homme qui n'était pas le vôtre. Tu es peut-être sorti avec un homme qui n'était pas le tien, qui était déjà marié à une autre femme. Et toi, tu étais avec cette personne. Et sa femme a parlé contre toi. Et cette parole court contre toi. Tu n'es plus avec cette personne-là. Aujourd'hui, tu as une autre vie. Mais cette parole court après toi. Nous allons demander pardon pour toutes ces choses. Nous allons demander pardon afin que l'Éternel puisse nous exaucer. Alléluia. Car la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. La Bible dit, comme on a lu tout à l'heure dans Genèse 25, 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Et Dieu nous dit, nous devons nous humilier. Pour qu'il puisse nous exaucer, nous devons demander pardon. Bien-aimés,
n'est pas une condamnation, c'est demander pardon. Là où tu as failli, tu ne savais pas, tu étais ignorant, tu es parti enlever des grossesses, tu ne savais pas. Tu vas demander pardon afin que la restauration puisse rentrer dans ta vie. Afin que la restauration puisse rentrer dans ta vie. Et je t'assure que l'Éternel est celui qui te donnera les enfants. Alléluia. Il a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alléluia. Il a dit aussi, si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, il est juste et fidèle pour les rendre blancs, pour tout nettoyer, pour tout envoyer très loin dans les oubliettes, loin au fin fond de l'océan. Il ne se souviendra même plus de ton péché. Bien-aimé, demandons pardon à notre Dieu. Demandons pardon. Alléluia. Oui, tendre Père, nous venons te demander pardon. Nous venons te demander pardon, Seigneur, pour tous les péchés que nous avons commis, que nous avons fait, Seigneur. Peut-être dans l'enfance, nous avons dit des choses qui, Seigneur, qui nous tiennent aujourd'hui en laisse. Nous avons dit des paroles qui sont suspendues en l'air. Nous te demandons pardon. Oh Seigneur, si nous avons dit que nous ne voulons pas avoir d'enfants de nos vies, nous te demandons pardon. Je te demande pardon pour tous les avortements qui ont été commis. Je te demande pardon pour tous les enfants qui ont été, Seigneur mon Dieu, enlevés. Je te demande pardon, Seigneur, peut-être pour une vie où on ne se souciait pas qu'on deviendrait mère un jour, où on ne voulait même pas devenir mère et on le disait, je ne serai jamais mère. Ça, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Je te demande pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Oui, la Bible me dit que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Seigneur, pardonne-nous. 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 Pardonne-nous, tendre Père. Pardonne-nous. Que le sang de Jésus nous lave maintenant. Que le sang de Jésus lave mes pensées. Que le sang de Jésus lave mon cœur. Que le sang de Jésus lave mon corps. Que le sang de Jésus lave mon âme. Que le sang de Jésus lave mon esprit. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Je te prie de pardonner. Je te prie de pardonner. Je te prie de pardonner. Je te prie de pardonner dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant prier. Prie avec foi. Prie avec foi. Tu vas dire maintenant, Père, bénis mon utérus, bénis mes ovaires, bénis la semence de mon époux, et qu'un enfant vienne afin que ma joie soit parfaite. La Bible dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Le Seigneur Jésus-Christ veut que ta joie soit parfaite. Il sait que ton cœur saigne parce que tu n'as pas encore tenu l'enfant que tu attends. Il sait que tu es triste parce que tu n'as pas encore tenu l'enfant que tu attends. C'est pour cela que nous allons prier. Nous allons implorer l'Éternel comme Isaac avait prié pour sa femme. Tu vas dire donc, Père, bénis mon utérus. Bénis mon utérus. Bénis mes ovaires, bénis la semence de mon époux, et qu'un enfant vienne afin que ma joie soit parfaite. Prions le Seigneur, alléluia. Prions le Seigneur, déclare cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, Père, nous prions maintenant, au nom de Jésus, bénis mon utérus. Bénis l'utérus de ma sœur maintenant. Bénis ses ovaires au nom de Jésus. Seigneur, bénis la semence de son époux. Bénis la semence de son mari. Bénis, Seigneur, et qu'un enfant vienne afin que sa joie soit parfaite. Afin que la joie de sa famille soit parfaite. Afin que la joie de sa maison soit parfaite dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Père, bénis l'utérus de ma sœur, bénis l'utérus de mes sœurs, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où le médecin a dit que ça ne peut plus tenir un enfant, là où le médecin a dit que l'utérus n'est pas fort, là où le médecin a dit que l'utérus n'a pas de force pour supporter un enfant, bénis cet utérus au nom de Jésus. Tu es le Dieu de miracles, Seigneur Jésus. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, je prie maintenant que tu puisses bénir l'utérus de ma sœur, dans le nom de Jésus. Bénis ses ovaires, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et que Seigneur, un enfant vienne, au nom de Jésus. Et que Seigneur, un enfant vienne, afin que sa joie soit parfaite, afin que sa joie soit parfaite. Afin que sa joie soit parfaite dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans Luc 10, à partir du verset 19. La Bible dit, voici, c'est Jésus qui parle. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia.
et rien ne pourra vous nuire. La stérilité ne pourra pas te nuire. Alléluia. Rien ne pourra te nuire. C'est pour cela que tu vas prendre autorité maintenant. Tu vas déclarer maintenant. Que toute chaîne de stérilité dans ma vie prenne fin maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, par le pouvoir que tu m'as donné, par l'autorité que tu m'as donné, je déclare maintenant que toute chaîne de stérilité dans ma vie prenne fin maintenant, au nom de Jésus, pas demain, maintenant, au nom de Jésus. Que toute chaîne de stérilité dans ma vie prenne fin maintenant, au nom puissant de Jésus. Que toute chaîne de stérilité dans ma vie prenne fin maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que je suis féconde. Je déclare maintenant que tout pouvoir de stérilité est brisé, est brisé, est brisé. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que toute chaîne de stérilité dans ma vie prenne fin. Au nom puissant de Jésus, que toute chaîne de stérilité dans ma maison prenne fin maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, que toute chaîne de stérilité dans la vie de mon époux prenne fin maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, que toute chaîne de stérilité dans ma maison, dans mon corps prenne fin maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Jésus, alléluia, alléluia. Merci Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Amen, amen. La Bible dit encore, c'est Jésus qui parle. La Bible dit, dans Matthieu 18, au verset 18, c'est Christ qui parle. Il dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. » Alléluia. « Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Nous allons prendre autorité encore. Tu vas dire maintenant, tu vas dire maintenant, alléluia. « Je commande à tout esprit responsable de la stérilité dans mon corps de mourir par le feu de l'esprit au nom de Jésus-Christ. » Priant le Seigneur, prends autorité, commande à cet esprit responsable de la stérilité dans ton corps de mourir, d'être détruit, d'être brisé dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, par l'autorité que tu nous as donnée. Oui, tu as dit, Seigneur, tout ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. C'est pour cela, Père, je prends autorité et je commande maintenant. Je commande à tout esprit responsable de la stérilité dans mon corps de mourir par le feu de l'esprit au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je commande à tout esprit responsable de la stérilité dans mon corps, alléluia, d'être détruit maintenant par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Je commande à tout esprit responsable de l'infertilité dans mon corps, de l'infertilité dans le corps de mon mari, de l'infertilité dans notre couple, de l'infertilité dans notre maison, de mourir maintenant par le feu de l'Esprit au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je commande à tout esprit responsable de la stérilité dans mon corps de mourir par le feu au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, tu vas encore continuer à commander. Tu vas dire maintenant, tu vas tenir ton ventre, hein. Tu tiens ton ventre quand tu vas faire cette prière. Tu dis, je commande à mon utérus de recevoir la vie au nom de Jésus. Commande à ton utérus. S'il faut que tu dises la phrase 10 fois, dis-le 10 fois au nom puissant de Jésus. Je commande à mon utérus de recevoir la vie au nom de Jésus. Là où on a dit que mon utérus ne peut pas tenir un enfant, ne peut pas supporter un bébé, je commande à mon utérus de recevoir un enfant maintenant au nom de Jésus. Je commande à mon utérus de recevoir un enfant maintenant au nom de Jésus. Je commande à mon utérus de recevoir un enfant, de recevoir la vie dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Là où mon utérus ne fonctionne plus, là où mes ovaires ne fonctionnent plus, je commande maintenant, je commande maintenant, je commande maintenant à mon utérus de recevoir la vie au
au nom puissant de Jésus, que les médecins soient confus, que mon médecin soit confondu, que mon gynécologue soit confondu, que tous ceux qui me connaissent soient confondus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je commande à toi mon utérus, je te parle, que tu reçoives la vie maintenant, la vie Zoé, la vie divine, la vie de Dieu, dans le nom de Jésus, je te parle maintenant, que tu reçoives la vie, que tu reçoives la vie, que tu reçoives la vie, au nom de Jésus, que tu reçoives la vie, au nom de Jésus, que tu reçoives la vie, au nom de Jésus, que tu reçoives la vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, amen, amen. Il y a des personnes qui sont devenues stériles à cause des paroles des gens. Il y a des gens qui ont parlé, tu n'as rien fait, je le reçois, tu n'as rien fait, mais la personne a parlé contre toi et a fermé ta conception, a fermé ta fécondité, a fermé tout ça par jalousie pour pas que tu sois bien. Tellement ton étoile devait briller et que la méchanceté familiale, la méchanceté a fait qu'ils ont, ils ont fermé. C'est pour cela que tu vas prier maintenant, bien-aimé. Tu vas commander. Tu vas dire, je commande à mon corps de vomir maintenant tout ce que Dieu n'a pas planté dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que tout ce que mon père n'a pas planté sera déraciné. Je commande à mon corps de vomir tout ce que Dieu n'a pas planté dans le nom de Jésus. Et tu vas lui dire de sortir. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans mon corps, ça doit sortir au nom de Jésus. Prions le Seigneur, alléluia, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je commande à mon corps. Je commande à mon corps maintenant de vomir ce que Dieu n'a pas planté dans le nom de Jésus. Ce que Dieu n'a pas planté, ce qui est corps étranger maléfique dans mon corps, je vous commande maintenant de sortir au nom de Jésus. 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 Tout ce que Dieu n'a pas planté dans mon corps, que cela soit vomi. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans mon corps, que cela soit vomi. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans mon corps, que cela soit vomi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans mon corps, que cela soit vomi au nom de Jésus. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans mon corps, que cela soit vomi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande à mon corps de vomir ce que Dieu n'a pas mis, ce que Dieu n'a pas planté, ce que Dieu n'a pas planté, ce qui est étranger à la vie de Dieu dans mon corps, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je commande à mon corps de vomir tout ce que Dieu n'a pas planté. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé. Amen, amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que tout ce que le Père n'a pas planté soit vomi au nom de Jésus. Genèse 29 au verset 31, la Bible dit: l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Alléluia, alléluia. Léa n'était pas aimée de son mari. Toi, tu es peut-être aimée de ton mari, mais ta belle famille ne t'aime pas. Ta belle famille se moque de toi. Ta belle famille te mortifie. Peut-être même que là où tu es, ton mari commence à vouloir aller voir ailleurs. Il est fatigué. Mais la Bible me dit une chose, que l'Éternel rendit Léa féconde. Pourquoi? Parce que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et l'Éternel la rendit féconde. C'est l'Éternel qui rend féconde, bien-aimé. C'est l'Éternel qui donne les enfants parce qu'il a vu qu'on te mortifie, parce qu'il a vu qu'on se moque de toi, parce qu'il a vu ton mari commence à te dénigrer, parce qu'il a vu ton mari ne te donne plus de valeur, parce qu'il a vu ton mari ne t'estime même plus. Et tu n'as même aucune valeur devant lui. L'Éternel te rend féconde. Nous allons supplier.
Nous allons supplier, bien-aimé. Tu vas supplier. Dis, Père, rends-moi féconde comme tu l'as fait pour Léa. Tu vas supplier. Nous allons prendre du temps pour supplier. Tu vas prier. Tu vas implorer. Tu vas pleurer. Tu vas dire, rends-moi féconde comme tu as rendu Léa. Tu vas dire, regarde ma belle famille qui se moque. Regarde mon mari qui se moque. Regarde mes amis qui se moquent. Rends-moi féconde. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, nous venons devant toi. Père, nous venons devant toi. Nous venons devant toi avec nos pleurs, avec nos fardeaux, avec nos incapacités, avec notre stérilité. Oh Père, rends féconde une personne. Rends-nous féconde. Rends-nous féconde. Rends-moi féconde. Rends-moi féconde. À cause de ma belle famille qui se moque. À cause de mon mari qui ne m'aime plus. À cause de ma belle famille qui commence à rigoler. À compter les années, à compter les années. Lève-toi, oh rends-moi féconde. La Bible me dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Rends-moi féconde, rends féconde une personne. Rends féconde ma soeur qui n'arrive plus. Rends féconde ma soeur qui pleure parce que sa belle famille la mortifie. Sa belle famille l'insulte. Sa belle famille rigole d'elle. Sa belle famille n'attend seulement qu'elle puisse divorcer. Sa belle famille attend seulement qu'elle puisse dire qu'elle abandonne son couple, qu'elle abandonne le foyer, que la belle famille attend seulement que tout puisse s'arrêter. Oh, rends-la féconde au nom de Jésus, rends-la féconde au nom de Jésus, que la fécondité descende maintenant, que l'onction de la fécondité descende maintenant, que l'onction de la fécondité descende maintenant, que l'onction de la fécondité descende maintenant sur une personne qui écoute, sur une personne qui est en train de prier, sur ma soeur qui est en train de prier, sur ma soeur qui est en train d'implorer, sur ma soeur qui est en train de pleurer, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, l'onction de fécondité sur ma soeur qui est en train de supplier. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, rends féconde ma soeur, rends féconde ma soeur au Père. Au nom de Jésus, tu as dit Seigneur que tout ce que nous allons demander nous sera accordé. La Bible me dit, alléluia, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, nous faisons de toi nos délices. Seigneur, nous marchons selon ta parole. Seigneur, tu es notre priorité, tu es notre Père. Oh, oh, accorde. Accorde la fécondité. Rends féconde ma soeur. Rends féconde ma soeur. Que le gynéco soit étonné. Que le gynécologue soit étonné. Que le médecin soit étonné. Que la famille soit étonnée. Que l'entourage soit étonné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rends féconde ma soeur. Au nom de Jésus. Rends féconde ma soeur. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Oh. Rakabasheke. Rikebe shoko inderebo seke. Oh, rends féconde ma soeur. Essuie les larmes. Essuie les larmes. Essuie les larmes comme tu as essuyé les larmes de Léa. Essuie les larmes comme tu as essuyé les larmes de Léa. Essuie les larmes comme tu as essuyé les larmes de Anne. Essuie les larmes et rends féconde tes enfants. Rends féconde tes enfants dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. La Bible dit au commencement, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a vu que cela était très bon. Tout ce que Dieu a créé au commencement était bon, mes sœurs. Il t'avait créé avec tout ce qui fonctionnait. Il ne t'avait pas créé avec un défaut. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé avec la stérilité. Il t'a créé tout fonctionner. Tout fonctionner avec la fécondité. Tout fonctionner avec les promesses. Tout fonctionner. Ce qui est dans ton corps est étranger. C'est pas la volonté de Dieu. C'est pas ce que Dieu avait prévu pour toi. C'est pour cela que tu vas dire, tu vas prier. Tu vas dire maintenant. Tu vas dire Seigneur, que mon utérus soit béni, que mon utérus fonctionne comme tu l'as voulu quand tu m'as créé. Que ton utérus puisse fonctionner comme Dieu l'a voulu quand il t'a créé. Que ton utérus puisse fonctionner comme Dieu l'a voulu quand il t'a créé. Que ton utérus puisse fonctionner comme Dieu l'a voulu quand il t'a créé. Car tout ce qu'il a créé est bon. Tout ce qu'il a créé est merveilleux. Quand il a créé ton utérus, c'était merveilleux. C'était pour que tu puisses recevoir des enfants, des jumeaux, des triplés, des filles, des garçons. Que le nom que
tu attends là, le nom que tu gardes là pour ton bébé, que tu puisses vraiment le donner à ton bébé. Alléluia. C'était ça la volonté de Dieu. Que le nom que tu gardes, le exaucé là que tu gardes, que tu puisses le donner à ton enfant. Que ça soit dans un carnet de santé. Que ça soit dans un carnet de santé. Que tu puisses porter cet enfant là sur toi dans le kangourou. Que tu puisses allaiter. Tu vas dire Seigneur, que mes organes soient bénis, que tous mes organes soient bénis et que mon utérus fonctionne comme tu l'as voulu, quand tu l'as voulu, quand tu m'as créé. Bien-aimé, peut-être que toi, tu n'as pas de problème de conception. C'est peut-être ton mari. Tu vas tourner la prière. Tu vas dire que Dieu bénisse l'organe de ton mari. Alléluia. Et que sa semence et que ses spermatozoïdes soient forts. Que ça puisse être fécond. Que ça puisse fonctionner comme Dieu l'avait prévu. Alléluia. Et tu vas dire, Seigneur, je veux allaiter. Que je puisse allaiter. Que je puisse porter mon enfant. Fais des prières de folie. Que je puisse porter mon enfant dans ma maison. Que mon enfant puisse pleurer. Que je puisse aller acheter les habits. Que je puisse acheter le berceau. Bien-aimé, fais des prières de folie. Car la foi est une folie pour le monde. Alléluia. Commence à prier, à imaginer des choses que tu ne vois pas encore. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu dis je veux allaiter, tu touches ton sein. Tu touches je veux allaiter. Quand tu dis je veux tenir l'enfant, tu fais comme si tu tiens l'enfant, bien-aimé. Quand tu dis que je veux pouponner, tu fais comme si tu pouponnais un enfant. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous prions encore. Nous prions, Père, que tu puisses bénir nos organes. Que tu puisses bénir l'organe de ma sœur. Les organes de mes frères. Que tu puisses bénir, Seigneur, les couples. Que tu puisses bénir, Seigneur. Et que, Seigneur, l'utérus puisse fonctionner. L'utérus puisse fonctionner comme tu l'as voulu au commencement. Que l'utérus puisse fonctionner comme quand tu as créé tes enfants. Au nom de Jésus. Seigneur, que mes organes soient bénis. Et que mon utérus fonctionne comme tu l'as voulu. Quand tu m'as créé, que mon utérus fonctionne comme tu l'as voulu, quand tu m'as créé, que je puisse tenir l'enfant, que je puisse tenir l'enfant, que je puisse pouponner l'enfant, que je puisse allaiter l'enfant, Seigneur, que je puisse allaiter l'enfant au nom de Jésus, que l'enfant puisse pleurer dans la maison, que l'enfant puisse pleurer dans la maison au nom de Jésus. S'il faut qu'il casse tout, qu'il casse tout, c'est pas grave, mais je veux voir l'enfant dans la maison, je veux mon bébé au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, que tout puisse fonctionner, car tu m'as créé merveilleusement bien, tu m'as créé sans défaut. Tu ne m'as pas créé avec un défaut. Tu m'as créé avec tout qui fonctionnait. Oui, Seigneur, que ça puisse fonctionner, que ça puisse revenir à l'état du commencement. Que ça puisse revenir à l'état du commencement dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que ça puisse revenir à l'état du commencement au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Oh, que j'allaite, Seigneur, que je donne les biberons, alléluia, que j'achète les berceaux, que je choisisse aussi les habits comme les autres mamans, au nom de Jésus, car tu m'as créé pour être une mère joyeuse au milieu de mes enfants, car tu m'as créé pour tenir les enfants, car tu m'as créé pour porter les enfants, tu m'as créé pour que je puisse allaiter les enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Rakababa. Rindebo Sheke, alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, la Bible appelle Dieu Yahvé Shama. Alléluia. Ça veut dire l'Éternel est présent. Yahvé Shama. Yahvé Shama, l'Éternel est présent. Christ est aussi Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. Tu vas dire maintenant, Seigneur, tu es Yahvé Shama. Ça veut dire l'Éternel qui est présent. Tu es Yahvé Shama. Que ta présence me donne un enfant au nom de Jésus. Dieu ne peut pas être quelque part sans bénir. Quand la présence du Seigneur est là, elle bénit. Quand la présence du Seigneur est quelque part, elle restaure. Quand la présence du Seigneur est quelque part, les ténèbres deviennent lumière. Alléluia. Quand la présence du Seigneur est quelque part, ce qui n'a pas de saveur devient savoureux. Quand la présence du Seigneur est quelque part, les montagnes s'inclinent, tout tombe. Quand la présence du Seigneur est quelque part, les déserts deviennent des étangs d'eau. C'est pour cela que tu vas dire, Seigneur, tu es Yahvé Shama. Que ta présence maintenant me donne un enfant au nom de Jésus. Et la foi quand tu pries, et la foi quand tu dis cette prière, que ta présence au milieu de nous me donne un enfant maintenant au nom de Jésus. Si tu veux des jumeaux, dis des jumeaux. Si tu veux des jumeaux, dis des jumeaux. Que ta présence me donne un enfant au nom de Jésus. Que ta présence me donne un enfant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur,
tu es Yahvé Shammah. Que ta présence me donne un enfant au nom de Jésus. Que ta présence me donne un enfant au nom de Jésus. Que ta présence me donne un enfant au nom de Jésus. Que ta présence, Seigneur, me donne un enfant. Que ta présence me bénisse. Alléluia. Que ta présence change ma condition. Que ta présence change ma condition. Que ta présence change ma vie. Que ta présence restaure mon corps. Que ta présence me donne un enfant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Car tu es Yahvé Shammah. Yahvé Shammah, l'Éternel est présent. Yahvé Shammah, l'Éternel est présent. Tu es présent au milieu de nous. Tu es présent au milieu de nous. Tu es présent au milieu de nous. Que ta présence me donne un enfant. Que ta présence me donne un enfant. Que ta présence me donne un enfant. Dans le nom de Jésus. Que ta présence me donne un enfant. Au nom de Jésus. Que ta présence me donne un enfant. Seigneur, ta présence dans ces lieux. Donne un enfant à ma sœur. Donne un enfant à ma sœur. Yahvé Shammah. Yahvé Shammah. Notre Dieu est présent. L'Éternel est présent. L'Éternel est présent. Donne un enfant à ma sœur. Donne un enfant à ma sœur. Donne un enfant à ma sœur. Yahvé Shammah. Yahvé Shammah. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Donne des enfants à mes sœurs. Donne des jumeaux. Donne des triplés. Donne un enfant. Donne, Seigneur. Donne, Seigneur, car tu es ici. Car tu es ici. Car tu es ici. L'Éternel est ici. Yahvé Shammah. Jéhovah Shammah. L'Éternel est ici. Donne un enfant. Donne un enfant. Que ta présence nous donne un enfant. Ta présence donne un enfant à tes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia, merci Seigneur, oh alléluia, merci Jésus, alléluia, merci Jésus, rabababa, merci Seigneur, oh alléluia, 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 que la fécondité paraisse dans ma vie, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas remercier le Seigneur. Amen, amen. Nous allons le remercier. Remercie-le pour les enfants qu'il t'a donnés. Remercie-le pour la fin de la stérilité. Remercie-le parce qu'il va te surprendre. Alléluia. C'est le Dieu qui surprend. Le Dieu qui dépasse notre entendement. Le Dieu qui dépasse notre capacité. Prions le Seigneur. Disons merci à notre Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci car tu es notre Dieu. Merci car tu es notre roi. Nous t'acclamons, nous te célébrons, nous te louons Seigneur, car la stérilité a pris fin et la fécondité paraît maintenant dans notre vie. La fécondité est maintenant là dans notre vie. Merci Seigneur, car c'est toi qui exauces nos prières. Merci Seigneur, car c'est toi qui nous délivre de nos angoisses. Merci Seigneur, car c'est toi qui nous a fait du bien. Nous te bénissons, nous te magnifions. Merci pour ta présence. Merci pour l'onction de la fécondité que tu as déversée sur chacun de nous. Merci pour ta force, merci pour ta force, merci pour ta force, merci pour ta restauration, car tu restaures les organes, tu restaures les utérus, tu restaures les ovaires, tu restaures les trompes, tu restaures toutes choses, tu restaures les règles, tu restaures tout. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois béni notre Dieu, sois béni notre roi. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. 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 Amen, amen. Amen. Je vais prier pour la fin. Juste après ma prière, je vais prier pour la fin. Amen. Juste après ma prière, vous prendrez juste un verre d'eau. Si vous avez la possibilité de prendre un verre d'eau, vous prendrez juste un verre d'eau. Juste un verre d'eau. Juste ça. Je vais prier pour vous. Tendre Père, je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Je ne cesserai jamais de te glorifier. Je ne cesserai jamais de te louer. Car tu es celui qui fait des miracles sans nombre. Tu es celui qui ramène à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es celui qui confond le dire des médecins. Tu es celui qui confond les diagnostics des médecins. Tu es celui qui confond les paroles des sorciers. Tu es celui qui confond les paroles des parents. Tu es celui qui confond les malédictions. Là où il y a des malédictions, tu changes en bénédiction. Seigneur, je te bénis, je te loue et je te glorifie. Je viens te confier mes sœurs, je viens te confier mes frères.
Seigneur, je prie, Seigneur, merci, je te dis merci, car je sais que l'onction de la fécondité a été déversée sur chaque personne connectée au nom de Jésus. Je te dis merci, car l'onction des jumeaux a été déversée dans la vie de chaque personne connectée au nom de Jésus. Merci pour l'onction des triplés. Merci pour l'onction, Seigneur, car, Seigneur, je crois en ton nom. Je crois, Seigneur, en ta puissance. Je crois, Seigneur, en ta capacité. Alléluia. Béni soit ton nom. Tu es Yahvé Elohim, le Dieu créateur. C'est toi qui as la capacité de créer, de recréer là où on a dit qu'il n'y a plus rien. C'est toi qui ramènes à la vie tout ce qui était mort dans les corps. Maintenant, Seigneur, je sais que tu ramènes à la vie les utérus. Tu as ramené à la vie les utérus au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant, Seigneur. J'invoque ton sang maintenant, Seigneur. J'invoque ton sang à sécuriser. À sécuriser, Seigneur. Quand, Seigneur, ma sœur va aller avec son mari, que ton sang puisse sécuriser et qu'aucune semence, Seigneur, ne puisse être volée par l'ennemi. Là où l'ennemi vient voler des semences, là où l'ennemi vient voler pour empêcher que cela puisse donner l'enfant, que cela soit brisé au nom de Jésus. Je sécurise, Seigneur, chaque fois que, Seigneur, mes sœurs vont être dans la période de concevoir, dans la période d'ovulation. Je sécurise cela au nom puissant de Jésus. Et je déclare, Seigneur, qu'aucune grossesse ne va tomber par terre au nom de Jésus. Aucune femme ne va avorter au nom de Jésus. Aucune grossesse ne va quitter avant son terme au nom de Jésus. Je déclare que la grossesse va rentrer et elle va aller jusqu'à 9 mois au nom de Jésus. Seigneur, que cela soit sécurisé par le sang. Que cela soit sécurisé par le sang de l'agneau. Seigneur, je prie que là où, Seigneur, dans les couples de mes sœurs, l'amour avait diminué à cause de ce problème, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse raviver la flamme de l'amour. Que la chaleur de l'amour puisse revenir, Seigneur, afin que ce bébé puisse vraiment venir. Seigneur, je prie que ce bébé soit là et que, Seigneur, je sais que mes sœurs ne manqueront pas de te louer. Elles vont revenir pour te glorifier. Elles vont revenir pour dire que l'Éternel a fait. Elles vont revenir pour dire, j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Quand je tiens bébé exaucé, mes yeux t'ont vu. Quand je tiens bébé Shama, mes yeux t'ont vu. Quand je tiens bébé Christelle, mes yeux t'ont vu. Quand je tiens bébé, mon bébé, mes yeux t'ont vu. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Nous saurons, Seigneur, encore et encore que tu es encore notre Dieu. Seigneur, là où ceux qui se moquent, ceux qui rigolent, ceux qui parlent en coulisses, ceux qui parlent dans les ténèbres pour dire encore une année est passée, encore une année est passée, encore une année est passée, ils seront confus, ils seront frappés de honte au nom de Jésus. Car la Bible me dit que, Seigneur, ceux qui se confient en toi ne sont pas confus, mais nos ennemis sont confus. Tu les renvoies honteux dans le nom de Jésus. Qu'ils soient confondus, qu'ils soient honteux. Seigneur, là où il y avait une autre femme, à cause de ce problème, qui voulait voler le mari de ma sœur, qui voulait prendre le mari de ma sœur, Seigneur, qu'elle soit frappée d'aveuglement, qu'elle soit honteuse au nom de Jésus. Oh, que ce bébé soit le bébé de la justice. Que ce bébé soit le bébé de la joie. Que ce bébé soit le bébé de l'allégresse. Dans le nom de Jésus, pour dire que l'Éternel agit. L'Éternel fait. L'Éternel agit dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta bénédiction. Merci pour ta fécondité. Je prie maintenant que ce verre d'eau que mes sœurs vont prendre, que ce verre d'eau soit le sang de Jésus. Ce sang qui va aller détruire définitivement tout ce qui n'est pas de toi. Ce sang qui va aller redonner la vie là où l'utérus ne tenait plus. Ce sang qui va aller pour aller conclure l'alliance de la grossesse dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. On dit 3 fois Amen. Amen. Amen.